tous, c'est Gunit Famous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je suis seul, alone, forever alone. et bien, je suis sur un Hunger Games event. Il n'y a pas beaucoup de monde, je sais pas pourquoi en fait. Malgré ça, il est que 10h. Bon, il devrait avoir un peu plus de monde. Ouais. Pour cette vidéo. Je suis assez content, mais aussi un peu déçu parce que j'ai pas fait de vidéo depuis une semaine ou deux. Mais rassurez-vous, c'est pas pour rien, c'est parce que je suis en train de travailler sur une nouvelle intro qui va être spectaculaire. Je vous en ferai voir quelques images, je mettrai quelques images vite fait ou des choses comme ça sur le Facebook ou le Twitter, vous irez voir. Il y aura un lien qui va s'afficher tout en haut, il y en a un autre qui va s'afficher tout en bas, regardez, voilà. Cette vidéo est assez spectaculaire, elle sera pour la chaîne des évasions, vous irez voir aussi, la chaîne que j'ai là maintenant. Alors, il commence dans une mine, bon j'ai quelques trucs à dire. Quand Hunger Games va commencer, je vais enlever le Nodus parce que je suis pas méchant. Hein. J'utilise juste le Nodus pour le Fulbright, regardez. Hop là. Mais pour celui-là, je veux pas trop m'en servir. Alors attendez, option, disable Nodus. Voilà. Vous serez content comme ça. Et je suis assez content et en même temps déçu comme vous voulez. Mais si vous avez des idées de map ou de choses, des modes à faire, je pourrais en faire, et même avec vous, si vous voulez bien. Et le Hunger Games commence dans 40 secondes. Et je mettrai le lien du Hunger Games dans la description. Plutôt le lien, parce que je ne vais pas marquer tous les serveurs. Je pourrais aussi vous dire que j'essaierai d'organiser dès que je ferai une vidéo, dès que j'arriverai à peu près à 15 vidéos, j'organiserai toutes les vidéos vers, par exemple, de type battle, comme je l'avais dit, de type aventure, de type mode. Ah, ouais. Ah, j'ai oublié de prendre. Ouais, il est savoir que dans le event, dans celui-là, il n'y aura pas que le event normal, il y aura aussi il y aura aussi il y a aussi une autre map difficile, moins difficile, je veux dire, qui est assez balèze. Oh. Je vais tenter un truc que je fous. Allez, soyons fous. Si je le vois. Ah. Ah oui, j'avais dû bugger. En plus, il y a un gars qui me poursuit par derrière. Hein. Je vais manger. Ah,
Hunger Games Event, dans celui-là, vous avez 15 secondes et non 30 secondes ni une minute. Ça paraît c'est chaud. Allez, viens ici, laisse-toi faire. Ah, il y avait un autre gars. Ah, il m'a tué. Pas grave, pas grave, pas grave. On va essayer d'en refaire un autre. 37 personnes, ça paraît un peu mieux. Et cette fois-ci, ce n'est pas un event, mais une partie normale. Alors, je parlais pas trop parce que j'étais un peu concentré. Désolé pour ça. Ah, j'ai réussi à sortir. Non, pas totalement, pas totalement. Alors, voici la deuxième partie. La deuxième partie avec le Hunger Games, je sais plus combien, mais en tout cas c'est pas un event. Et cette fois-ci c'est un Hunger Games tel qu'on le connaît. Et cette fois-ci, bah, je vais prendre un kit parce que l'année dernière j'en ai pas pris. Alors je vais prendre Mineur. Mineur pour moi, c'est logique. Lors de cette vidéo, vous rencontrerez des fricameurs. Alors il faudra bien se tenir parce que je déteste les fricames. Par contre, j'en ai jamais fait. Alors je peux pas savoir à quoi m'attendre. Bah, je crois que j'en ai vu une fois c'était en fin de partie resté ça faisait marqué ça faisait presque 1 heure qu'on jouait bah, il y a eu un petit problème c'est marqué une heure ça marquait 1 heure sur le slash L et bien et bien et bien et bien ah bah voilà. Alors, je vais chercher le bois qui est au centre de la... Quelques petits lags, désolé pour les petits lags. Ah ouais, en même temps, je suis dans une forêt. Hop, c'est bon. Quand je tourne pas, je vais à 50 fps et quand je tourne, bah, je vais à moins de 3 fps. À peu près, non. J'exagère, mais c'est à peu près. Et je suis un peu chaleur. Alors. On va essayer de se trouver une petite mine pour se planquer. Sinon, on est mal barré. Et non. Un trou, je vais essayer de pas trop m'éloigner parce que comme ça au moins j'aurai des coffres à portée de main plutôt à portée de distance. Et aussi je déteste les habits. Aussi c'est moi qui les fais. Mais ça comme tout le monde en fait. Il y a un petit
ça a l'air great. Great. Il s'est fait tuer. Moi aussi, je vais pas tarder à le faire tuer. Oh non! Oh non! Eh bien, ben je crois qu'on va faire une dernière partie, et puis ça sera la dernière partie parce que. Voilà. Parce que voilà. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, oui. Voilà. Ça part. Je pas, je. Voilà. J'ai marqué le truc, et puis bam! Alors, je réexplique les règles pour ceux qui ne connaissent pas les Hunger Games. On doit s'enfuir au bout des 1 minute, ça dépend de la partie plutôt. Et nous avons acquis tout bien, parfois il y en a certains qui n'en ont pas. Parfois il y a des boussoles, parfois il n'y en a pas, chez certains serveurs. Et on doit s'éloigner ou bien affronter les autres et rester le dernier survivant. Chaque 10 minutes, il y a un coffre qui spawn. Et j'aime bien cette grotte parce qu'elle me rend bien dans l'ambiance. Voilà une grotte que j'aime bien. Ah, sauf que c'est pas vraiment du sport. Et il y a un gars. Je vais essayer d'en profiter. En plus, ah, quelque chose me dit qu'un spawn. Si j'arrive, ils sont pas trop fausses.
sort, il sort. Je sais pas si vous l'avez vu. Il devait être un orthopédier marque au milieu. Non, c'est cool. Attendez, vous allez voir. Après, on va faire ça. Et je crois que j'ai miné un peu. Rapidement, rapidement, rapidement. Comment il va pas vu alors que je suis resté bloqué, je vais faire un alt. Quand on fait alt sur un alt, ça fait ça. Ça bloque le Minecraft, ça bouge plus. Alors, on va se ressaisir, c'est pas la fin du monde. Ça. En plus, ils font de la pub, hein? Hein, ils font de la pub. Et là, on a des cœurs. Il fricame. Regardez les amis, il fricame. Casse un bloc alors qu'il est là-bas. Il fricame le petit salaud. Et maintenant, comment ça se fait qu'il était là? Oh mon dieu, fricameur. Voilà, je vais passer de l'autre. Et voilà. C'est pour ça que j'étais assez fricam. Faites attention. N'oubliez pas. Les fricameurs. Dangereux. Non, il n'y a pas que ça. C'est que. On va faire une petite parenthèse sur les fricameurs. Ça nous fait chier. Si vous voyez cette vidéo, les fricameurs, c'était pour vous dire que fricam, alors lors d'un Hunger Games, du PvP ou du geste comme ça, on déteste ça. Ça enlève la partie de Minecraft, le goût de la partie. Ça a des avantages déjà. Ça désavantage la personne adverse. Alors qu'on pourrait faire un PVP normal. Regardez, lui, il y avait un casque en cuir, moi j'avais une épée, lui, il y avait une épée, il aurait pu me démolir. Hein, je veux bien. Voilà. Mais c'est ça que vous ne comprenez pas et vous ne comprendrez jamais. On vous déteste. On vous déteste au plus haut point. Et le free cam et le hack, c'est nul.
Voilà, c'est fini pour cette vidéo et merci de l'avoir regardé. Vous pouvez cliquer là pour un truc pour je sais pas, ce que je vais mettre. Là, je mettrai mon Facebook, là je mettrai mon Twitter, là je mettrai ma chaîne avec s'abonner, et puis peut-être que là, et ben je mettrai quoi? Je mettrai peut-être les vidéos. Là et là. Voilà. Je sais pas si vous voyez ma flèche, mais bref. Là, en haut à droite, en haut à gauche, en haut à bas. En bas, en bas à gauche, en bas à droite et en haut, au milieu. Je suis fou dans ma tête. Allez, au revoir et bonne journée.